Yo tout le monde, 7ème épisode de Titanfall 2. On va essayer de finir d'une traite la campagne. Enfin, d'une traite. Il n'y aura pas ce seul épisode là pour le terminer, mais au moins là je vais avancer et le finir comme ça. Je pourrai passer à autre chose après. Donc on s'était laissé. Merde, c'est là. J'ai failli me gourer de chemin. Ouf. Bon, bon là il faut qu'on rejoigne BT. Putain, cette arme là normalement dans Apex c'est un bon tir au jugé, mais ici j'ai l'impression que c'est vraiment de la merde quoi. Content de vous revoir, Cooper. Je recommande de sécuriser la zone avant de passer aux réparations. Ah oui, moi aussi. Ah putain, je vais prendre cher. Commande transférée au pilote. Oui, je l'ai mis. Excusez-moi. Tracker abattu. Oh là là, mais il y a du monde. Il y a une putain d'araignée partout. Ah, mais c'est vrai que j'ai le bouclier Vortex là, j'ai pas le. Putain, ils mettent trop cher les faucheurs, c'est un truc de ouf. Hein. Oh, genre, il a pas été. Attends, mais. Voilà, quand même. Il y a un mec là. Ok, attends, toi je vais aller te chercher là. Zone sécurisée. Attends, t'es sérieux, l'autre il s'est barré? Putain. Ça va, ça a été dur. Et toi, BT? Rapport de dégâts. Les systèmes critiques fonctionnent normalement. En dépit de votre auto-évaluation, le capitaine Lastimosa aurait loué votre ardeur au combat, Cooper. Merci. Mise à jour mission, protocole 2. Remplacement du module. Le connecteur du module se trouve en haut de cette antenne. Une projection et un peu d'escalade s'imposent. Ah là là, on va nous balancer partout. Hop. Bon. J'ai toujours ce LGM de merde hein. Dès que je prends une, dès que je trouve une meilleure arme là, je change et je mets autre chose. Je t'écoute. Kane et Ash sont morts. Quelqu'un tue tes hommes et on a volé une de nos radios. Je le savais bien que t'aurais pas dû recruter cet encart. Hé, pilote, ici Cuban Blisk. Alors comme ça tu nous écoutes? Tu veux être un héros? Ok, continue de me marquer. Vas-y, mets à ta place. J'arrêterai de jouer le héros. S'il vous plaît, la voix de Cuban Blisk là, qu'est-ce qui s'est passé chez les développeurs? Elle était bien la voix dans Titanfall 1. Pourquoi elle est devenue Hypothèse. L'antenne se réorientera automatiquement une fois le nouveau module installé. Cooper, l'antenne est de nouveau en ligne et nous allons envoyer ce message à la flotte. Excellent travail, soldat. Allez, on se retape le chemin. Ouais, je suis en chemin. Ah oui, putain, c'est vrai qu'il va nous casser les couilles, lui. Faucheur en approche.
miliciens, sécurisez la salle de bord. Allez les gars, commencez direct par les titans, vous avez bien vu que depuis tout à l'heure ils se sont défoncés. Ah non, pas d'araignée là, c'est bon, j'en ai marre. C'est des faucheurs ça encore? Putain, ils sont limite plus intelligents que les titans ennemis quoi, c'est pour dire. Possibilité de titan ennemi. Non, tu crois? Écoute-moi, j'ai envie de promouvoir quelqu'un. J'ai aussi très envie de quelqu'un. À vous de choisir ce que je dois faire. Allez, tuez-le. Je te laisserai filer nulle part. Bon, on va commencer par lui. Ne le laissez pas sortir vivant. Ouah, le mec il rush comme ça. J'y crois pas. Y'a pas le temps. Oh, allez. Non mais fais pas durer le combat, c'est bon. Bon, je vais peut-être pas y aller au cas. Ah bah bro, tu tombes bien, au moment où j'ai justement l'ultime. Attends. Noyau de rafale paré. Oh oui. Par contre c'est dur de savoir où tu vises hein, quand tu tires comme ça. Tu vois, il est pas court quand même hein. C'est-à-dire que il tire pas quand j'ai le bouclier. Oh. Putain mais c'est du tracking là, c'est carrément un chewing-gum hein. Hop là. Merde putain. Mais qu'est-ce que je suis con. Je confonds la touche E et la coupe. Putain, l'animation de mort a été bizarre. Mais... Putain. Je crois que c'est la première fois que je galère autant sur lui. Normalement, il est easy quoi. Pilote, je vous suggère de débarquer. Ouais, c'est bon, c'est fait. Tous les systèmes sont fonctionnels. Grenier, renvoyez la sauce. Bien, chef. Séquence de transmission activée. Ça marche. Puissance de transmission 25% en augmentation. 60% en progresse. On y est presque, 80%. Puissance du signal maximum. La transmission peut commencer. Diffusion du flux de données. Attente de réponse. Espérons qu'il y ait encore quelqu'un là-haut. C'est bon. Commandant Sarah Briggs, détachement des maraudeurs, ERS Milice. Authentifié. Commandant Briggs, ici BT-7274. Protocole 2. Poursuite de mission. Transmission des données à la flotte de l'unité ERS. Reçu et confirmé. Contente que vous soyez encore là. Nous recevons vos données. Votre mémoire indique que votre pilote d'origine est mort au combat. Affirmatif. Le capitaine Paris Lastimosa est mort au combat. Je suis désormais lié à un pilote suppléant, le fusilier Jack Cooper. Comment ça? Lastimosa vous a lié à un fusilier? Affirmatif. Il n'avait pas d'autre choix. Bien compris. Vous serez transféré à un pilote mieux qualifié. Objection. Cooper est mon pilote. Notre taux d'efficacité au combat excède désormais les 90%. Je demande la permission de conserver ce lien.
Vous avez de la chance que nous manquions de personnel, VT. Permission accordée. De la part d'une machine, ce sont des louanges, Cooper. Votre scan de l'Arche a permis d'en remonter la signature énergétique jusqu'à une base de l'IMC, ici sur Typhon. Le temps nous est compté. Allons-y. Bon, bah voilà. Après 7 épisodes, on a enfin pris le contact avec la milice. Il était temps. Et avec ça, on se rapproche de la fin, même si bon, il reste encore une bonne... Ouais, je dirais qu'en 2 vidéos, là, ça sera terminé. Écoutez bien. L'IMC a développé une arme appelée Distorber. C'est une arme capable d'anéantir des mondes entiers. Mais, privée de l'Arche, sa source d'énergie, il est inutilisable. Votre mission est de prendre l'Arche avant son transfert à la base aérienne. Attention, maraudeur, arme au paré. Attention, largage de Titan. Qu'est-ce que c'est stylé quand même? A tout faire, pilote. On abat ce mur. Attention aux canons! À moins de détruire ces canons, impossible de se rapprocher du vaisseau. Pilote en position. Venez reparer à l'action. Module acolyte chargé et armé. Ici le commandant Briggs. Autorisation d'engager. Non mais pourquoi tous les titans ils sont à 2 HP là quand ils pop? Parce que je pense pas que ce soit mes alliés là qui les aient mis aussi haut. Oh, au moins là comme ça je pourrais voir un petit peu les mouvements. Oh putain mais... Il y en a de l'autre côté là. Ouais, voilà. Je vais mettre dans le mur là. Allez l'ultime. Oh, j'aurais peut-être pas dû là. Ça va, ça va. Qu'est-ce qu'il fait lui? What? S4, s'il te plaît, laisse-moi me... Bah, je sais que ce putain de... Mais regarde ça! Regarde ça comment ça me focus! Il y a trop... Non mais gros... Respectez-moi. Alerte, dégâts sur ma côte. Oh putain, mais... Ah, c'est la phase chiante en fait, parce que là, il y a tellement de titans ennemis que bon, on sait pas trop où donner de la tête. Mais forcément, pour rendre le truc beaucoup plus satisfaisant, ils ont mis que des North Stars. Hein. Oh non. Oh vas-y, tu m'as saoulé toi. Putain mais je vois pas où je tire. Ils sont là-bas. Ah non putain mais... En même temps t'as la barre de vie sur ta gueule hein, t'as plus... Ah non, non, c'est bon, c'est bon. J'ai vu suffisamment de multis.
Bon, lui il va crever derrière. Dégâts excessifs, alerte, alerte. Ça pour un vieux légion de merde là. Moi je fous lui. Ah oh, mais putain il est là lui. D'accord, très bien, je t'ai traversé, bro, y'a pas de problème. Ah, mais tu sais, au pire, on peut juste se casser, hein. Mais ta gueule! Oh là là! Oh, oh par contre, comment il me met cher! Je vois pas où je tire, c'est génial! Je sais même pas si c'est vraiment que les titans là qui mettent aussi cher. Les soldats, je sais pas s'ils ont des armes anti-titans, mais putain quoi. Ah putain, oh. Ah, vas-y, je suis parano. C'est le Tandex hein. On a fait le plus facile. Oui, le plus facile. Bon, qu'est-ce qu'il y a après? C'est quoi? C'est 30 000 tanks de l'armée là. Mais mon avis, vous méritez largement votre certification. Après, je parle de tank, mais bon, un tank contre un titan. Allez, je pense que le titan a légèrement l'avantage. Le voilà. Il reste assez de temps pour intercepter. Ouais, est-ce que je joue au sniper dans ces conditions? Non, non. Ça me fait être trop les couilles. Putain, si seulement j'avais le Légion là, ça irait beaucoup plus vite. Bougez-vous, ennemi en approche. Pourquoi moi? C'est dingue ça. Y a je sais pas combien de titans sur le champ de bataille, mais non, moi. Je sais que vous êtes scripté, mais bon, respectez-moi. Ça, c'est vrai que ça fait. C'est vrai que ça fait mal, putain, le bouclier vortex. Hein. Tu renvoies ne serait-ce que 2-3 balles, des dégâts quoi. Peut-être que si j'avais envie de la jouer bourrin, je devrais jouer à l'épée. Mais... je sais pas, ça me donne tellement pas envie. Allez, il y a je sais pas combien de pocheurs là. Qu'est-ce que tu fais toi? Je sais pas, vous voulez pas rusher là, genre... vieux faucheur là, on va le... Alors lui il s'est perdu. Non non mais... D'accord, je sais même pas d'où ça vient. Mais ça défonce mon bouclier vortex en un coup ce truc là. C'est bon.
peut être tranquille. Ah bah non, visiblement pas. Mais les gars, il y en a un juste à côté de vous. Putain, mais il m'a retiré toute ma vie en deux secondes, ce con. J'ose même pas imaginer ce passage-là. Merde. Putain. Je fais un vieux altab de merde. J'ose même pas imaginer ce passage-là en mode élite. Hein. Genre là, c'est... L'autre qui se met devant à ce moment, comme par hasard. Putain, mais c'est terrible. Et les faucheurs, ils ont pas le droit de lâcher des batteries par hasard. Ah si, ils lâchent des batteries. Bon, ça va, alors c'est rentable. Oh, putain, mais comment il me sauce. Les gars, please, me laissez pas utiliser votre outil sur vous, là. Regarde comment il bouge! Mec, il glisse sur le sol! C'est n'importe quoi! C'est quoi, c'est là? Ouais, c'est là. À toutes les unités miliciennes, cap sur le draconis! Ok, on va voir ce que tu veux pour qu'elle capte ta taille. Gardez-la, mais gros, là tu fais que te barrer, hein, excuse-moi. Hein. Ouais, effectivement, t'as bien décollé. Le draconis a quasiment fait plein. Vite, leur escorte est sur place. On a plus beaucoup de temps. Ils vont retirer. Voyou de rafale activé. Meurs. Il y a un scorche dans le coin, je crois. Ouais, mais gros, s'il te plaît! Regarde tout le monde! Ah, si, il est là le scorch. Ouais, non, il y en a deux. Allez, Cooper, on a plus le choix! Il faut qu'on les rattrape! Non, mais on a plus le choix! T'es. On fait quoi? On se téléporte? Ah, oui, alignez-vous comme des débiles! Donc là, je regarderai le replay, mais je crois que j'étais mid-life. Hein. Putain. Ah, le scorch de merde. Ouais, il m'a ulti en même temps la greu de merde là avec. C'est bon. Putain. Ça one-shot ce truc, ça rigole zéro. En plus, bouclier vortex contre cette merde, ça sert à rien, je peux pas lui renvoyer l'obus, enfin je crois pas. Moi je le bute en premier lui. Hein. Je réfléchis même pas, j'utilise mon outil sur lui. Hein. Bon, du coup, c'est le putain de sniper qui reste. Aïe. En fait, ils sont scriptés pour utiliser leur ulti quand ils ont que 20% de PV, mais bon. Les gars, soit vous mettez tout, soit vous mettez rien. Bliss, ici Sloan. L'arche est en cours de chargement. Viper s'occupe du reste. On se voit bientôt.
Je crois que c'est la phase la plus compliquée si vous voulez faire le jeu en élite. Là, je suis juste en difficile, donc c'est pas non plus insurmontable. Mais en élite, mec, tu te fais OS par le premier Scorch qui arrive. T'as même pas le temps de voir ta vie, là. Bon. Je suis à 25 minutes de jeu, je pense que je vais couper maintenant. Et je record à la suite. Comme ça, je terminerai tout sur le prochain épisode. Ou alors, je sais pas, est-ce que je continue à tourner un peu? Parce que là, il y a quoi? Il y a la phase... Ouais, non, ça va faire coupure après, si je le fais après. Donc, je vais le faire maintenant et puis je vous sors l'épisode juste après. Allez, à plus. Et mettez un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo.